Au Sénégal, tout le monde en parle déjà. La décision historique est tombée au Sénégal concernant la monnaie, le franc CFA. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko passent ainsi à l'action. Bassirou Diomaye Faye présente sa photo qui sera affichée partout au Sénégal, même dans les bureaux des ministres. Voici la grande photo du présent Bassirou Diomaye Faye qui sera exposée dans tous les ministères. Bassirou Diomaye Faye parle de la collation du franc CFA et la fin totale de cette monnaie au Sénégal. Ousmane Sonko passe à l'action contre la France. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! Avant de faire un tour au Sénégal, nous pouvons passer d'abord par le Tchad. Le Tchad qui prépare l'élection présidentielle prévue en ce 6 mai 2024. La présidentielle au Tchad s'annonce déjà très tendue. Mahamat Idriss Déby passe à ses aveux en attendant le 6 mai 2024 qui sera réélu entre Success Maras et Mahamat Idriss Déby. Les tensions sont reparties au Tchad. Mais là n'est pas la question du jour. La question du jour en ce matin est de savoir si le franc CFA doit tirer sa fin au Sénégal. D'autant plus qu'au Tchad, les Français sont tellement valorisés comparés au Sénégal. Le Tchad qui ne peut pas trahir la France comme l'a fait le Sénégal. Le Sénégal se tourne vers la création d'une nouvelle monnaie avec l'AES que va faire la CEDEAO. Près d'un mois seulement après sa prise de pouvoir, le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu de même son portrait officiel, son portrait dont il veut présenter à tout le peuple sénégalais. Bassirou Diomaye Faye, le président nouvellement élu du Sénégal, il a chassé Macky Sall. De ce fait, il a lancé un mandat d'arrêt international contre Macky Sall. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko risque de présenter la nouvelle monnaie du Sénégal en attendant l'alliance avec l'AES, la France perdue. La photo officielle du nouveau chef de l'État a été réceptionnée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Sababa. Sur cette photo, on voit le chef de l'État à côté du drapeau du Sénégal, vêtu d'un costume foncé et d'une cravate bleue. Le regard porté directement vers l'objectif triomphal du nouveau Sénégal. Le Sénégal sera un nouveau pays, comme l'a affirmé Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui ne masse pas ses mots contre les Français et la monnaie, le franc CFA, comme elle a de l'habitude de se prononcer sur Internet. Cette photo illustre ainsi celle de l'ancien président Macky Sall. Cette photo sera exposée dans toutes les institutions, les directions d'État et même dans les ambassades sénégalaises à travers le monde entier. Bassirou Diomaye Faye profite de l'occasion et parle ainsi de la fin du franc CFA et la dissolution. Il commence déjà à passer à l'action, mettant ainsi tout d'ailleurs. Le président du Sénégal profite de l'occasion et se fait interpeller par l'Organisation des Nations Unies. Que se passe-t-il entre l'ONU et le Sénégal? D'autant plus que Bassirou Diomaye Faye parle ainsi des nouvelles règles. La fin du franc CFA et les échanges téléphoniques entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Canada. Les échanges téléphoniques entre Bassirou Diomaye Faye ne laissent personne indifférent. Justin Trudeau et le président Bassirou Diomaye Faye renforcent ainsi les liens bilatéraux. Que se passe-t-il entre la France et le Canada? Opposant ainsi le Sénégal, le premier ministre canadien Justin Trudeau a récemment eu un échange téléphonique avec le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye où plusieurs sujets d'importance ont été abordés dans un communiqué publié par la primature canadienne. Les détails de cette conversation ont été dévoilés selon le communiqué évoqué par une source concordante. Proche du président Bassirou Diomaye Faye, le premier ministre Trudeau a commencé par dresser des compliments à Bassirou Diomaye Faye et a dressé ainsi ses félicitations au président sortant pour sa récente élection, soulignant par la même occasion l'importance du Sénégal en tant que modèle démocratique sur le continent africain et parlant ainsi de la fin du franc CFA au Sénégal.